Bonjour à toutes et à tous, c'est le plus ancien dans l'effectif lillois. Formé à Clairefontaine, puis à Metz, c'est à Lille qu'il a explosé au plus haut niveau. C'est l'un des joueurs les plus attachants et les plus chambreurs. Je veux bien entendu parler de monsieur Franck Beria. Bonjour Clément. Ça va? Prêt pour les surprises? Allez, on y va, je suis pressé. On va se diriger par là. L'amphi? Dans un amphithéâtre. Les rideaux sont tirés. Les rideaux sont tirés. Aïe. Une petite tablette qui va te guider tout au long de la journée. Tu es plutôt le petit jeune, le leader, le comique. Et j'ai envie de dire que je suis un petit peu le comique parce que j'assimile le football à un jeu et à du plaisir. Donc forcément, il n'y a pas une journée sans une vanne ou un rire. Bon, on part sur le comique. On part sur le comique, j'appuie là-dessus. Vas-y. Salut Shrek, c'est ton âne, Kiki. Bonjour. Bonjour Francky, enchanté. Bonjour monsieur. Toi et moi, Francky, on a des points en commun. Hein. D'accord. On aime faire le con. On joue aussi dans une discipline où il y a un arbitre, il y a deux équipes. Cette discipline, Francky, c'est le théâtre d'improvisation. Et voilà ton équipe. T'as vu, on est aux couleurs, hein. Ah, j'ai une grande motivation. Ouais. On est chaud. Vous allez chacun choisir un cri de guerre et un nom d'équipe. Nous sommes les Red Tekel. Beria, Egalita, Fraternita. Messieurs, serrez-vous la main. Bon match. Pas de coups fourrés, je veux un match propre, solide. Cette première partie d'improvisation sera faite à la manière d'un zapping. On va prendre ce rythme. Ça marche. Nuage. Ciel. Soleil. Chaleur. Bronzage. Coup de soleil. Malgache. Ouais. Pour cette magnifique chute, j'attribue le point à la Beria Team. Yes, yes. Franck Beria. Allez, deuxième partie d'improvisation. Nous allons faire une improvisation libre. 3, 2, 1, improviser. On doit faire de vous un homme, hein, c'est ça? C'est tout à fait. Ça me permet de vous toucher, ça me fait plaisir. Oui, ouais, allez-y, de toute façon, on va vous amputer la main. Hein. Ah. Ne dis rien. Laisse-toi faire. on va arrêter la coupe-coupe. J'attribue ce point au Red Tekel. Oh, chaque joueur se verra attribuer un nom de radio fictif et imaginaire. Franck, j'ai l'honneur de t'attribuer la radio Madagascar. Vous êtes sur Radio Madagascar, dépêche spéciale des Lémuriens viennent de s'échapper du zoo. Et sur Radio Mélancolie, maintenant nous passons tout de suite une petite plage de musique. Mais si tu n'existais pas. Vous êtes toujours sur Radio Sa Chasse et Pêche. Fait divers tout de suite maintenant avec deux adolescents malgaches qui se sont fait prendre lors d'une course de pirogue. Et pour finir, donc notre. Bravo! J'attribuerai à la Beria Team ce dernier point qui remporte le match. Oh, bravo. Vas-y Francky, c'est bon, bon, bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vous avez été très sympa, c'était pas évident. Vous avez pas peur du ridicule. Et ça, moi, ça me botte. Donc, merci. Ah, c'est ma taille. Je laisse découvrir la prochaine surprise. Quelle est ta série télé préférée? Là, il y a un gros dilemme, là, hein. Entre les Feux de l'amour, Plus belle la vie et Mentaliste. Je choisis Mentaliste. Hein. Ouais, j'essaie de deviner ce que t'as envie de faire. Je pense que t'as envie de manger, non? Là, je commence à avoir un petit peu faim. Ouais. C'est parti, on va manger? Allez, on y va. On va prendre quelques personnes qui t'attendent dans un restaurant. D'accord. Au cœur de Lille. Dans un resto, bon. Petit par sa taille, très fort par le goût. Mais ami d'enfance avec qui j'ai commencé à faire mes premières conneries aussi. Grégory Daniel Dominique Vimbé. C'est rare dans le football d'avoir des gens à qui on a confiance, des amis. Donc, voilà. Mais voilà, Raph, je l'ai connu ici en arrivant. Pour finir, Maxence, que j'ai connu ici aussi. Il fait partie de mes proches maintenant. Pourquoi on s'est retrouvé ici en fait? La dernière question, c'était quel serait mon choix de série télé entre
Le feu de l'amour, plus belle la vie et le mentaliste. Forcément, j'ai choisi le mentaliste, c'est un peu, disons, il y a des prédispositions pour connaître ce que pensent les gens. Excusez-moi, vous parlez du mentaliste. Ça tombe bien parce que moi j'adore et de fait c'est mon métier. Est-ce que ça vous dirait de faire une petite expérience? Ah ouais, totalement. D'accord. Je vais te demander de penser à ton joueur préféré. A priori, personne ne le connaît à part toi. Tu l'écris en grand pour qu'on puisse vérifier tout à l'heure, d'accord? Je ne veux pas m'en approcher du tout. On va s'en occuper plus tard. Je vais essayer de faire connaissance avec toi. On va faire un petit jeu parce que je vois que tu aimes le jeu. Là, j'ai pu t'entendre un petit peu parler. Je vais te proposer de faire un peu de coloriage. Franck, donc ça c'est toi. Ouais. Je te dirai. Prends par exemple ta couleur préférée, prends la couleur que tu n'as pas, en fonction des réponses que tu vas me donner. D'accord? Mais je vais mettre un bandeau. C'est perdre toute crédibilité à celui qui le porte. Voilà, ça c'est fait. Donc première question, quel est ton meilleur souvenir en tant que footballeur? Les deux titres en 2011. Vas-y, prends donc ta couleur préférée, vas-y. Et avec ça, tu vas colorier, s'il te plaît, le R. Une fois que tu as colorié le R, tu le mets de côté. Prends une couleur que tu n'aimes pas du tout. Et fais le C. Parfait, je me retourne, j'enlève le bandeau. Tu avais une chance sur 6, vu qu'il y a ces crayons, de faire ça en bleu. Une chance sur 720 pour que ceci puisse correspondre à ce que j'avais prévu pour toi. Je vais te demander de bien vouloir. Oh non, c'est horrible. Deuxième. Il est fou. Sixième. C'est bon. Autrement, je t'ai demandé de penser à un joueur de foot. Tu es défenseur en France. Il n'y a qu'un seul défenseur qui s'impose pour moi, c'est Thiago Silva. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, mais c'est bizarre. C'est... Bon, Franck, c'était bon? Qualité, gourmet, c'était bien. Je te laisse deviner la prochaine surprise. À quoi te font penser ces trois personnages? Mon surnom footballistique, Kiki. L'un de Shrek à qui je suis... Il y a un air. Et donc... Tu reconnais pas? Je te dis Billy the Kid. C'est mon surnom quand j'étais petit. Ouais. Il n'y a que des surnoms, en fait. Hein. Ça te dirait d'aller à la rencontre de ces trois personnages? Ouais, il y en a, il me fait flipper quand même. Mais je veux bien. On y va. Oh, ça sent le doublage de dessin animé, ça. Dans les mêmes labiales. Et c'est micro avec Franck. Super. Tu t'appelles entièrement. Ah ouais, bah. Ah ouais, il a loupé. Je pensais pas. Nous les ogres, on n'est pas du gâteau. Les gâteaux. Tout le monde en raffole des gâteaux. Il y a plein de gâteaux qui ont des coups. On s'en fiche que tout le monde raffole des gâteaux. Tu sais ce que tout le monde kiffe? Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un qui fait. Oh merde. Tu sais ce que tout le monde... Ouais, c'est ça. Le clafoutis. La voix Eddie Murphy, ça. Ouais. Tu sais ce que tout le monde... Oui. Et c'est chaud, parce que ça va vite. Hein. Alors, allez-y. On y retourne. Tu sais ce que tout le monde kiffe? Le clafoutis. T'as déjà rencontré quelqu'un qui te dit « Répétez le clafoutis » et qui te dit « J'aime pas le clafoutis ». Le clafoutis, c'est exquis. Oh, on était bons. En même temps, votre métier, c'est pas un truc de ouf, les mecs. Hein. Lire des phrases, quoi. Voilà. Ah ouais, c'est chaud, mais tu vas voir. Ah, c'est chaud. Allez, cow-boy, je vous la repasse. Où puis-je trouver ce gamin coléreux? C'est moi, Billy. Le Kid, étranger. Je m'appelle Lucky Luke, et je te permets de garder ton chapeau. Du chocolat chaud et des choux à la crème, ça. Oui, monsieur Billy. Et cette fois, j'espère que le chocolat sera chaud, sinon je piquerai une nouvelle colère. Bah, c'est chaud de rigoler comme ça. J'arrive pas. J'ai fait une farce. J'adore faire des farces. C'est pour ça qu'on m'appelle Billy le Kid. Le Kid, c'est-à-dire le gamin, quoi. On va regarder ce que ça donne, Franck. Tu me plais, cowboy. Tu me plais. Et cette fois, j'espère que le chocolat sera chaud, sinon je piquerai une colère. Elle est bien bonne, cowboy. Tu m'as fait beaucoup rire. Bon, on a vu que tu avais pris la place de Billy the Kid, de l'âne de Shrek. Il paraît que tu aimerais bien prendre la place aussi d'un entraîneur dans quelques années. Pourquoi pas? Bon, y a un entraîneur qui a une question pour toi. Tiens. Ah. Ouais, mon petit Franck. Si tu veux, bon ben... Allez, ben, je te laisserai prendre une séance d'entraînement avec les grands. On va aller entraîner les joueurs du LOSC, ça te dit?
Ah ouais, ouais, ça me botte bien. Ouais. Mais les pros ou... Les joueurs du LOSC. Les joueurs du LOSC. Ils sont en train de se préparer, là, ils sont dans le vestiaire. On y va. Allez, c'est parti. Un ancien ou nous? Ça va? Ouais, franchement, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, tu veux passer les diplômes, mais qu'on va prendre chacun l'équipe. Je te propose d'aller les rencontrer, quoi. Ah, il m'a mis une équipe. Allez, c'est parti. Salut les gars. C'est moi qui vais être votre entraîneur aujourd'hui. Bon, qui c'est qui marque des buts ici? Il faut être prêt. Il faut être prêt à gagner. Allez, c'est l'autre côté les gars. Allez, faites-le tout doucement et levez la tête pour savoir où vous allez. Essayez d'être synchro et de pas vous percuter, voilà, c'est ça qu'il faut éviter. En fait, une passe, c'est un cadeau. Allez. Allez, top, c'est bon. Ils sont doués, hein? Ouais, mais c'est surtout que ceux qui sont derrière doivent parler à ceux qui sont devant. Oh non! Oh non! Allez, M. Duhamel! Oh, c'est grave. Mais non, c'est un sosie. C'est l'arbitre. Allez! Allez, salut, on applaudit. Voilà, c'est bien. Allez, monsieur Chaperon. Allez, blanc. Reste dans le coin, attends les copains. Pas de faute. Voilà, très bien. Bien joué, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, les blancs, c'est un coup de chance. Ouais. Bien joué. Oh, elle est sortie, monsieur l'arbitre, là-haut. Un peu de discernement, monsieur l'arbitre. Ah, monsieur l'arbitre, oh. On n'est pas à Nice, ici. Effectivement, je vous respecte. Je suis coincé. Tout le monde est à l'arrêt. Bien joué. Devant. Devant. Allez, quoi, ça. Je vais le compter, c'est du bon, je vais le compter, vous inquiétez pas, je vais compter. Allez, on les salue comme les vrais, comme les grands, comme ça. Voilà. L'applaudit public. Arbitrer des seniors, je te vois bien. Il y a un embrouille. On a une dernière surprise, on va finir en musique, comme on l'avait fait avec Florent. D'accord. Je vais découvrir la dernière petite question avant de se rendre à la dernière surprise. En musique, tu es plutôt rap français, rock ou musique classique? J'en veux rap français. On va aller en studio, faire un petit peu de rap, ça te dit? Et à quelle heure est finie ma journée? On enchaîne, c'est pas fini. D'accord, ok. On y va, c'est parti pour le chant. Bon. C'est l'arbitre, merci. Merci, messieurs. Bonne fin de saison. Ouais, merci. Merci de votre participation parce que je pense que vous avez pris de votre temps. Merci. Merci, coach. Motivation. À très vite. Qui est l'heureux élu? Ah, quand même. Ça va? Comment ça va? Ça va, ça fait plaisir. J'ai dit, je t'ai trouvé comme un parloir. Ouais. Alors comment t'as su que j'aimais bien? Ah, j'ai des contacts, moi aussi. Hein. C'est vrai? Des renseignements généraux, j'ai de bonnes. Quand t'es rappeur, à un moment, tu sais beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Comment tu vas? Bah, ça va. Du coup, tu la sens comment, la saison, là? Bah, on va s'accrocher à cette troisième place. Le vrai Lille, ça reste accroché aux valeurs que t'as vues à Paris. C'est non complexe. Je veux dire, c'est comme toi, demain, t'as un challenge à jouer dans une petite salle, un cabaret, tu vas te défoncer. Mais quand tu vas jouer, je sais pas, tu vas te taper l'Olympia ou tu vas te taper un Zénith de dingue, ça va galvaniser un petit peu tes qualités. J'aime bien la métaphore. Mais on m'a dit que déjà t'aimes beaucoup le rap et le rap français. C'est vrai, ouais. Et tu fais partie de ceux qui ont un vrai fond, en tout cas dans les paroles, dans tes chansons. Quoi. Mais je voulais, voilà, qu'on essaie de poser même une phase ou deux ou quoi que ce soit sur une instru. J'ai sorti un morceau d'accord. De Boumaï il y a quelques semaines. Oh là là, j'ai l'impression là. Et du coup, tu sais que c'est un truc de fou quand je vais être dans ma voiture et que je vais mettre les sons avec ta voix, ça va être bizarre quand même. Je vais me dire, on était ensemble, on a chanté. Ça fait un truc du genre, je laisse tourner. Nouvelle année, nouvelle... Économe parce que la misère me dégoûte, j'écoute le métronome, découpe l'énorme, ce couplet est énorme, poteau. Juste ça. Tu crois que je vais réussir à faire ça, moi? Un.
Le verbe intact, oh non. Nouvel impact, oh non. Y'a ceux qui jactent et ceux qui s'imposent. Ah, y'a faute là. Économe parce que la misère me dégoûte. J'écoute le métronome, découpe le. Je vois plus. Je voyais plus rien. T'inquiète pas, il va la kicker sale. Le verbe intact, oh non. Nouvel impact, oh non. Y'a ceux qui jactent et ceux qui s'imposent par les actes, bonhomme. Économe parce que la misère me dégoûte. J'écoute le métronome, découpe les normes. Ce couplet est énorme, poteau. Vraie séance de peur, en fait. Franchement, merci. Hein. Franchement, je te check. Ouais, merci. Hein. T'as vécu des misères aujourd'hui, mais franchement, plaisir, il est pour moi. Bon, Yous, parce que maintenant on se connaît, donc j'ai dit Yous, tu vois. Ouais. Voici les places pour le match de dimanche. On t'invite à venir nous supporter. Franchement, je vais le mettre, Inch'Allah, je vais le mettre comme ça. Merci beaucoup. Merci à toi, franchement. Le verbe intact, oh non. Nouvel impact, oh non. Y'a ceux qui jactent et ceux qui s'imposent par les actes, bonhomme. Économe parce que la misère me dégoûte. J'écoute le métronome, découpe les normes. Ce couplet est énorme, poteau. Ah, c'est beau. Hein. Encore bien. Ah, je me sens bien quand même. On est bien, on est bien. Ah, j'ai coach perso et. Big up.